je m'appelle André Bledo, je suis retraité du milieu de l'éducation. Moi, je m'appelle Michel Michaud, je suis un retraité de la santé depuis quelques mois. Alors moi, mon nom est Béatrice Blais. Je connais Serge depuis plusieurs années, c'est un gars en qui j'ai beaucoup confiance. Il travaille fort pour le développement de notre région, puis je sais qu'il va donner son 100%. J'ai entièrement confiance en lui. J'appuie fortement M. Serge Bastien, un ami que je connais depuis une trentaine d'années et avec lequel je partage beaucoup de ses valeurs, et je suis certain et convaincu que ça va nous faire un excellent député pour notre comté. Je le connais, Serge, depuis plusieurs années. On a travaillé ensemble, puis ça me fait plaisir de travailler pour lui parce que c'est le candidat idéal pour l'Abitibi-Ouest. Moi, j'appuie Serge Bastien parce que j'ai entièrement confiance en ses capacités de député et je le connais depuis très longtemps. Merci, Camille. Ben, Ghislain, je veux te remercier pour l'organisation de la campagne. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Ça me fait plaisir, puis j'ai accepté le mandat parce que je considère que t'es la plus belle relève que l'Abitibi-Ouest au niveau de la politique que l'Abitibi-Ouest peut avoir présentement. Moi, je fais partie de l'équipe de Serge Bastien parce que c'est un gars intègre. Je le sais, j'ai travaillé avec lui et je sais qu'il est capable de s'occuper des dossiers. Je sais qu'il est capable de s'occuper des priorités et de faire grandir l'Abitibi. Mon ami Bert Gavé, qui est avec moi depuis les premiers instants de ma mise en candidature comme candidat député libéral à la prochaine élection. Alors, je suis content de compter sur son appui pour la prochaine campagne. Bien, moi, tous, très content, puis on pense qu'on est chanceux d'avoir un homme de cette calibre qui nous représente et qui va représenter les dossiers locaux. Je me suis impliqué avec Serge dans beaucoup de dossiers, également dans la santé et dans la communauté et dans l'économie. Puis c'est clair que si on a une porte de ballon local, le dossier s'avance. Donc on est chanceux, puis je souhaite beaucoup, beaucoup de chance. Merci, Bert. Dans une campagne électorale, on a besoin d'un juriste pour s'assurer que toutes les formalités se fassent dans les règles. J'ai la chance de pouvoir compter sur Maître René Martineau, avocat, qui agit comme juriste dans la présente campagne pour s'assurer de cette conformité-là. Bien, ça me fait plaisir parce que je pense que Serge est un excellent candidat. On est dû pour un changement dans le comté. Serge s'est impliqué dans de nombreux organismes communautaires, sociaux, économiques. Et puis, en ce qui me concerne, il représente le renouveau, la jeunesse. Oui, je pense que Serge peut faire ce qu'il faut pour bien nous représenter à Québec. C'est avec plaisir que j'appuie la candidature de Serge. Alors, Serge, premièrement, est un ami de longue date. Alors, il a été mon voisin, il a été mon notaire. On a travaillé ensemble dans différents dossiers socio-économiques, entre autres la Chambre de commerce, la réurbanisation du chemin du lac Figuré et différents autres dossiers, l'harmonie, tout ça. Alors, pour moi, c'est très important d'appuyer son candidature parce que c'est un homme intègre, un homme de cœur et qui croit fortement au développement de sa région. Merci, Suzanne. Merci, Serge, et bon succès. Merci. Quand on choisit de s'engager dans l'aventure politique et de se présenter candidat, faut avoir d'abord confiance en soi et faut avoir la confiance des gens qui nous entourent. Luc et Beverly sont des amis depuis des années, avec qui j'ai été complice dans bien des choses et qui me supportent depuis le début de ma décision à me lancer dans cette aventure-là. Et je les en remercie. Eh bien moi, je vais commencer, Ben, c'est OK? Oui, vas-y. Eh bien moi, j'appuie Serge. Je vais voter pour Serge le 7 avril prochain. Parce que premièrement, Serge est un gars d'équipe. Puis je sais de quoi je parle, parce qu'on était entraîneurs, Serge et moi, pendant plusieurs années au hockey. Deuxièmement, j'ai voté pour Serge, parce que Serge est un gars passionné. Passionné de sa famille, passionné de sa région, et passionné de politique. Puis quand je dis politique, c'est dans le sens large du mot, et à tous les niveaux. Troisièmement, j'ai voté pour Serge, parce que Serge a la volonté, mais a surtout la capacité de mener à terme des projets pour améliorer notre région, l'Abitibi. Moi, j'appuie Serge aussi, je vais voter pour toi. Premièrement, parce que je te connais. Et je te connais dans la façon que tu es une personne honnête, tu es une personne passionnée,
Puis vraiment, je me sens sécure dans ce que, où on s'en va. Moi, je ne suis pas, pas née en Abitibi, je suis venue en Abitibi, et je suis contente de te connaître, puis que je suis inclus avec toi. Merci, Serge. Hey, merci. Si je me présente comme candidat libéral aux présentes élections, c'est grâce à l'appui de Jean Mébois. Effectivement, Serge, tu as mon appui de façon inconditionnelle. On se connaît depuis quelques dizaines d'années. Je te connais comme quelqu'un de totalement intègre, droit et d'une honnêteté sans faille. C'est un sujet qui est beaucoup d'actualité. Mais si on allie ça à la promotion que fait le Parti libéral de l'emploi, de l'économie, c'est de ça dont on a besoin. C'est ça qui est nécessaire pour le Québec. Tout le reste va suivre. Alors, écoute, je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci, Jean. Vas-y. Alors, bonjour. Je suis très fier d'appuyer mon ami Serge. Je suis un membre Richelieu depuis 2008. En fait, et j'ai eu l'occasion de rencontrer Serge à cet effet. Et depuis, j'ai eu l'occasion de le côtoyer dans nos soupers hebdomadaires, que ce soit du côté familial, que ce soit pour toutes ses implications sociales, et également du côté affaires. Et je suis très, très fier de l'appuyer à travers ça. Et une chose est sûre, c'est que honnêtement, pour la première fois, je sens vraiment qu'on a une personne qui va réellement militer pour notre région, pour notre territoire, qui est au courant des dossiers, qui est impliqué dans la communauté. Et le changement, on va l'avoir réellement avec mon bon ami Serge, et je suis très, très, très fier d'être derrière lui pour cet accomplissement. Bon succès. Merci, Dave. Si je suis en campagne, c'est grâce à beaucoup d'appui. Parmi ceux-ci, je peux compter sur celui de mon amie, Nathalie Lapointe, amie et femme d'affaires d'Amos. Oui, Serge, tu peux compter sur mon appui parce que tu es un homme impliqué et tu es un homme aussi rassembleur et aussi parce que je crois à tes projets régionaux. Merci. Il me fait énormément plaisir d'appuyer Serge. J'ai eu l'occasion d'être sur des conseils, entre autres sur la CESAT avec Serge et sur les développements économiques autant régional qu'au niveau de la ville. Et je suis convaincu que Serge va faire un super député pour Abitibi-Ouest. Merci, Arlo. Plaisir. Pour devenir candidat député dans une circonscription, ça prend une invitation à le faire. Et celui qui m'a invité à le faire, c'est le président de l'Association libérale d'Abitibi-Ouest, M. G. Grondin. Si j'ai appuyé la candidature de M. Bastien, c'est parce qu'à travers la liste de candidats potentiels, je savais qu'avec M. Bastien, on avait la personne qui pouvait regrouper l'équipe électorale nécessaire pour mener une victoire. Fait que je souhaite félicitations et bon succès. Merci, Jean. L'agenda d'une campagne électorale, c'est un des outils incontournables qui nous permet de bien travailler au quotidien, rencontrer les bonnes personnes aux bons endroits quand on a pris les bons rendez-vous, et c'est rassurant de pouvoir compter sur une équipe qui travaille à bien faire le travail. À cet égard-là, je compte sur mon fils Jérôme, qui est responsable de l'agenda de la campagne, en équipe avec Sylvain Roy, Gilbert Barrette, entre autres. Je sais qu'avec Jérôme et le groupe, je suis entre bonnes mains et la campagne est bien menée. Oui, donc ça fait plaisir d'accompagner mon père au courant de la campagne. C'est quelqu'un qui nous a toujours accompagnés dans nos projets familiaux, dans mes projets sportifs. Et aussi, c'est quelqu'un que je sais qu'il va être bon comme député parce qu'il a une belle capacité d'écoute et il cherche des terrains d'entente dans les dossiers. Donc, c'est une force qu'il a et je suis certain qu'il va faire un très bon député grâce à ça.